Hey, salut tout le monde, c'est Alex Zuki, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Pokémon Soul Silver Randomizer, qui est bien sûr disponible en live tout, normalement les lundis et jeudi 20h30, sauf que bon, les deux prochaines semaines ça va être un petit peu compliqué, enfin, je tiens à vous l'avouer, ça va être un petit peu compliqué, ça va peut-être un petit peu bouger, il n'y aura peut-être qu'un seul par semaine, on verra bien, mais de toute façon, pour être sûr de quand sont les lives, eh bien, je mets toujours le planning des lives de la semaine. Le dimanche, avant la semaine, pour que vous puissiez savoir quel jour je live, par exemple la semaine prochaine. Ça te dit une deuxième pub? Oh là là, les gars! Deuxième pub sur le compteur de pub, puisque bien sûr, vous pouvez aller sur Utip, le premier lien dans la description, pour regarder des publicités et soutenir la chaîne. Et du coup, bon, je vais juste en parler pour le compteur de pub, mais normalement, l'objectif pour ce soir, ce serait 100 pubs. Je sais pas, random, je ne sais pas combien on pourrait faire. Du coup, 100 pubs, je vais baisser un petit peu le son, hop, et dès que ça arrive à 25%, normalement, il devrait y avoir une animation. On m'a dit qu'il devrait y avoir une animation à 25%, donc à 25 pubs, ça devrait faire quelque chose. Et à 100, ça doit exploser. T'es sur Instagram? Non. Ah, ça te dit... ça, j'ai lu. L'intro qui est parti sur une pub Utip. Ah oui, voilà. Bien sûr. Et bien sûr, vous pouvez retrouver à chaque fois les rediffusions de ces lives Pokémon le lendemain sur ma chaîne de VOD, Alexuki VOD Live. Bref. Bon allez, je vais regarder 3 pour toi, t'es content? Ah, merci les gars. D'ailleurs Alex, est-ce que tu as déjà commandé quelque chose sur From Japan? Je veux commander quelque chose, mais je ne sais pas trop comment cela marche. From Japan, qu'est-ce que c'est? Alors déjà... Alors, chute Tojo, la frontière entre Kanto et Johto. Ah, par contre, il me faut cascade sur un de mes Pokémon. Oh, ça me casse les couilles. Il faut que j'apprenne cascade sur un de mes Pokémon, puisque toi, t'as Éclatrox, Surf, Force, Vol. Est-ce que j'ai besoin d'Éclatrox? Je pense. À qui je pourrais apprendre cascade? Est-ce que cascade c'est bien? Bonsoir Alex, j'ai fait ma contribution Utip. Et ben voilà, on est à 3 pubs, les gars. Ça va vite. Bientôt les 25. Pour faire... Je sais pas ce que ça fera. Faites-moi découvrir ça. Du coup, ce que je voulais faire, c'était aller voir la... cascade. Qui est avec moi? Objectif, 20 pubs. 4 pubs, ouais. Utilisé. Du coup, ça fait 80%, ouais. Jean-Tony, il est apte, mais il va pas pouvoir. Bon, Ace Kangoo, vas-y. Il va stall. On va remplacer Canon Grain. Canon Grain, c'est... Ça fait... 4... Attendez. Ouais, ça fait 80-100, c'est pareil. Cascade, c'est moyen à 80, je croyais moins. Bref, au moins ça varie les attaques de mon Aqualie. Mais bon, il faut le faire. Il faut le faire. Comment ça, il n'y a personne sur Twitch, là? Apparemment, hein, je sais pas, moi. C'est combien de pubs max sur Utip? Ça dépend les périodes. Des fois, tu peux regarder que 2 pubs par jour, des fois plus. Mais là, en ce moment, il y en a pas mal. Je sais pas, ça doit être 7-8, un truc comme ça. Il y en a pas mal. Stab. Moi j'ai dit stall. Oui, ça stab. C'est pas une mauvaise idée. Mais oui! Oh, 9000 IQ ici. 9000 IQ. 6 pubs! Bientôt les 25, les gars. Road to 25 pubs. Hop, on monte. Ok. Moi je pensais que j'allais passer à travers la cascade. Hein. Blaireau. Je vais regarder un max pour toi. Bah, merci à vous, les gars. Ok, bah, let's go, les gars. Ça fait plaisir. Attaque. Tiens, on va lui mettre cascade à ce guignol. À ce blaireau. 10 10 pubs, les gars. Road to 25. Ça se trouve, ça va faire un truc nul. Ça se trouve, ça va faire un truc tellement nul. Je sais pas. Sur YouTube, ils ont dit... Ouais, quand vous mettez un objectif sur votre compteur... Tous les 25, ça fait une animation, et à 100, ça fait une grosse animation. Inch'Allah, hein. Du coup, pub pour Alex, let's go. Merci les potes, fait plaise.
Vous faites vraiment plaisir. Allez hop, on va descendre ici. C'était nécessaire de mettre la CS, mais juste pour ça en fait. Hop. Allez, let's go. Oh! Florizer! Un Florizer! Mais tu peux la modifier l'animation ou pas? Non, absolument pas. J'ai aucun pouvoir dessus, c'est un truc automatique. Pour l'instant, voilà, c'est quelque chose qu'ils ont rajouté à Utip pour tester, enfin... Voilà, c'est tout nouveau. Hein. C'est vraiment la bêta. Hein. Mais un jour, ça sera plus développé. Pierre Ovale. Un jour, ce sera plus développé. En vrai, si ça se trouve, ça va juste faire un petit feu d'artifice... Frisse, j'allais dire. Un petit feu d'artifice de merde et... Au moins, on le saura. C'est même l'alpha. Ah, l'alpha, c'est quand ça buguait à mort. Début de semaine. Milieu de semaine. Dardarnian. C'est là où ça buguait, hein, puisque... Bah, le précédent live, il y a 2 jours, c'était compliqué. Oh. Oh, Dark, voyons. Si tu n'étais pas été paid to sub, je t'aurais ban. Quoi? C'est rare de voir quelqu'un ici. Tu t'entraînes en solitaire? Yo Alex, YouTube bug, donc je viens sur Twitch, mais je ne suis pas un pay-to-sub sur Twitch. Sniff. Comment ça, YouTubeur? Comment ça, YouTube bug? Comment ça? Hop, ébullilave. J'ai échappé belle. Oh, 19 pubs, les gars! 20 pubs! Plus que 5 pour voir l'animation! L'animation nulle! Krabos. Continue le combat, on continue, hein. Krabos, j'aime bien, c'est un bon Pokémon. Tiens, une petite écosphère là, tu vas rien comprendre à ta vie. Bon, par contre, c'est vrai que nos Pokémon sont assez haut niveau par rapport à aux adversaires. Ça, c'est un petit peu vrai. Changer de Pokémon, mais attendez. Là, c'est Exode qui doit avoir l'œuf. 22! Les gars, plus que 3 pubs! Plus que 3 pubs. Tu as qui dans ton équipe? Plein de gens. Tiens, Rock Boulet. Attendez, est-ce que j'arriverai à le trouver de tête? Simiabras, Aquali, Nidoking, Entei. Qui j'ai dans mon équipe? Quoi? C'était ça l'animation? Les gars, vraiment? C'était 25% objectif atteint? C'était pire que nul. Bon, du coup, plus que... Attendez, par contre, faut le descendre un petit peu, du coup. Attendez. Puisqu'en fait, j'ai pas tout vu. layout... layout... Attendez. On va le descendre un petit peu. Voilà. on a rien vu, je crois. Non, en fait, au-dessus de la barre, c'était marqué 25% de objectif atteint. Je crois que ça a dit ça. C'était ça l'animation. Yes. Dis une somme. €50. Vois-tu avec les Pokémon, mais on va voir. Oh, ton Pokémon te fait vraiment confiance, c'est agréable à voir. Tiens, le cadeau pour toi. Tu mérites, Alex. Merci à vous. 1 million. Trop deg, si c'était pas pour te soutenir, ce serait décevant. Ah, mais tempête sable, c'est nul. Ouais, je sais. Maintenant, route tout 50. Aïe, aïe, aïe. Non, mais peut-être qu'ils vont améliorer pour le 50. Là, pour le coup, c'est... Je suis déçu, hein. Je suis déçu. Utip. C'était nul. 0. Aïe, aïe, aïe. Comment ça, je mérite l'animation nulle? Quoi? Granivol, niveau 15. Moi, j'étais mort, déjà. Aïe, 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 aïe. C'est fort compliqué. Ah. Oh, Tarpo. J'allais dire Cradopo.
Non, c'est pas tellement lui. Ce n'est pas tellement lui. Fuite! Allez, hop! Yo! Oh! Yo! Vas-y, moi je vais affronter. Quelle force se dégage de toi! Je te prie, défie-moi! Oh, je te prie! Alors, top dresseur, Félix, petit reliquante. Mon flex is the best. Ouais, ouais. Pied voltige. C'est bon, ça passe. Oula, il a des... Ouh, il a la défense. Il s'est même pas fait one shot. Pourquoi tu joues pas à Pokémon Go? Sortir pour attraper les Pokémon. Mais dans quel monde vit-on, les gars? J'aurais pu faire Ecosphère, c'était encore mieux. En plus, sur Twitch, la qualité en 1080p uniquement. Ah, ça, c'est compliqué. Ça, c'est pas ma faute. J'y peux rien. Hop, 1399, Tsarinor. Continue le combat. Et frère. Sœur. On va faire... En fait, contre les Pokémon Roche, on a tout ce qu'il faut. Hein. On a vraiment tout ce qu'il faut, les gars. Tiens, on va lui mettre un petit cascade, là. Il va rien comprendre, le pauvre. Et it's Kangoo et Metang. On peut continuer avec Eight Kangoo en vrai. C'est pas Yu-Gi-Oh, j'avoue. Fais voir ta team, STP. Ça, c'est ça ma team. Sauf que le Lugia, tu le remplaces par un Entei. Voilà. Petit Aquali, petit Nidoking, Mamochon, Momartic, Simiabraz et Entei. Voilà, c'est ça mon équipe. Pas full opti, mais voilà. Déjà sur quelque chose de pas mal. C'est pas le jour de Duel Links. Mais non, j'ai annoncé dans mon planning que le jour de Duel Links, exceptionnellement cette semaine, c'était mardi. Pour la sortie de la box. Et du coup, ce soir, c'est Pokémon. Voilà sur YouTube, Alex. Car Twitch s'est pété de ouf. Ouf. Alors? Alors, les gens qui sont sur Twitch, H24, là? Ouais, je t'ai embrouillé, mec. Oh, Machopper! Machopper, suite... fuite, plutôt. Ils n'ont pas suite. Alors, salut, mon petit gars! Oh! Qu'est-ce que tu fais, mon Aquali, là? Mignol. Je veux que tu répondes à mon tweet. Comment ça, tu veux que je te réponde à ton tweet? Je suis en live, là, je ne peux pas. Enfin, Twitch, c'est pété pour ceux qui ne sont pas affiliés. C'est vrai, c'est vrai. Ça, je ne le nierai pas. C'est chiant. Cascade. C'est le côté chiant de Twitch. Alors sur YouTube! Tu débutes YouTube, t'as accès à tout. Tous les trucs utiles. Oh, c'est Atem. J'avais pas vu que c'était Atem, il a changé un petit peu. Il y a des Pokémon de merde aussi, là. Hop, qu'est-ce que ça dit? Route 26. Et du coup, nous sommes à Kanto, hein. J'ai pas précisé, mais on est à Kanto. Sac. On va faire un petit repousse, en vrai. On va faire un petit repousse, si j'arrive à trouver l'objet. Max repousse, utilisé. Nick YouTube, quoi. Allô? Allô? Attendez. Il y a un objet, là. Non, pas du tout. J'ai utilisé un max repousse pour ça, hein. Hop, allez, on va prendre une eau fraîche. À l'huile. Ah, tu bois de la bière au champ. Ouais, c'est exactement ça. L'anti-pouvoir. Un petit rappel des Poké, Alex. Oh, je devrais faire un overlay avec les Pokémon. Voilà, faites pause. Revenez en arrière si vous voulez les voir. Puisque je vais pas le faire toutes les 5 minutes quand même. Tu vas faire Kanto ou pas? Oui, je vais faire Kanto. Là, ce soir, on va terminer la ligue, on va faire tout ça. Et après, on fait Kanto. Bon, je vous déjà bonne soirée, Alex, Yuki et le chat. Bye! Bye à toi, Nefelugia. Drabi! Brise moule! Quoi? Brise moule. Quoi se faire? Attention, les gars! Attention les gars, on va bientôt arriver à 50 pubs. Bientôt les 50 pubs pour voir l'animation. Par contre, dès que je vois que je suis à peu près à 50, il faut que je fixe
pour voir l'animation. Il faut mater l'animation. Ils sont 6 sur Twitch et 46 sur YouTube. Twitch en sueur. C'est comme d'habitude. Kirlia, changer de Pokémon. Dark! Darko! Let's go! Sur quoi il joue? Sur Pokémon. Bientôt 1,50€. Pas vraiment ça. C'est plus que ça, un petit peu, non? Du coup, on va lui faire un petit balombre. Il va comprendre. On travaille sur le type. Faut travailler sur le type, les gars. Vous n'avez plus que 7! 7 publicités, guys! Ce Pokémon, c'est sur quoi? DS? Registeel! Changer de Pokémon. Kikin. C'est sur DS, en effet. 44. Bon, allez, let's go. Roue de feu! C'est Pokémon Saphir. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et l'émulateur DS, c'est Desmum. D-E-S-M-U-M-E. Triple pied! Bouffe-toi ça. Bon, ça a du mal. C'est bon. Non mais oh, guys! 1566. Kinésiste Nathaniel. Niel. Il a dit qu'il fera la ligue en Azok. Exactement. Faut que j'arrête de parler comme ça en vrai. D'approuver mais tout ce qui se passe sur le chat. Quoi? Alex, tu es une femme? Exact. Est-ce que tu connais Rum Station? Oui, je l'utilise. Mince, j'ai oublié de changer. Oui, je l'utilise pour émuler les jeux PSP. Attention, 48, hein, les gars! Bientôt, hein! Plus que 2 pubs! Fampi. Changer de Pokémon. Qui a des attaques haut? Exode. T'as quelque chose, toi. 2 pubs, guys! Et regardez bien ce que ça va faire sur le compteur. Hein. La fameuse animation. Fampi. Ah oui, c'est vrai que t'as Siphon. Mais il rate son attaque. Si Konami il te propose un poste de PDG, t'acceptes? Yes. Attention, les gars. On est à 49. On est à 49. Siphon! Encore une pub, les gars! Pour voir ce que ça va faire. Je veux revoir ce que ça va faire. Comment ça, je lui ai fait que ça de dégâts? ?50% objectif complété. Ok. Donc c'est ça l'animation. Yes! Alors. On va faire. Représailles. Waouh, l'animation! On dirait le budget de Legacy of the Duelist. Sur votre première génération. Tu seras pété de thunes, frère. Hé hey. Non, tu récupères pas ton énergie comme ça. La thunasse. Guys, la thunasse. Vive la thune. J'ai pu l'acheter, du coup, je ferme le jeu. Moi, j'avance petit à petit dans Yu-Gi-Oh! Arc 5. Les decks sont très sympas. Je débloque quelques boosters et... J'ai tellement d'idées de decks à faire. Là, en ce moment, je suis en train de tester le deck Rhino Féroce. Changer de Pokémon. Il me faut une attaque haut. Quoique. Tiens, on va mettre lui plutôt. Je suis en train de faire le deck Chevalier Gemme. Avec les Link et tout ça. Je kiffe tellement. Même si les Link compliquent le jeu, c'est vrai. Je trouve que ça rend le jeu tellement différent, la manière de jouer est tellement différente, j'aime bien, c'est différent. Avec tu vas win 2,50€ avec ça, tu as le kebab, Lidl plus canette. Ça veut dire que je me fais un repas grâce à vous. Oh, vous me nourrissez les gars, ça fait plaisir. Vivement le deck Gem Knight et you, hey! Vivement le deck Merce Fourrure dans le TCG. Avec la Link. Avec Fogor. Tu crois que Dueling sera moins joué depuis l'arrivée du nouveau Yu-Gi-Oh? Je ne pense pas, hein, clairement.
Nous pouvons devenir partenaires. Oui! Bien sûr, c'est une nana. Donc, on met la daronne à l'abri. Disons que prendre une Switch plus le jeu 40€ au lieu de 30, ça fait cher, donc on va attendre qu'il sorte sur PC. Mais non, pourquoi 40€? Après, le jeu, je ne sais pas ce qu'il vaut. Enfin, c'est selon le... C'est selon la conversion de yens en euros, mais... Ouais, c'est... Moi, c'était plus vers 28 quand j'ai acheté le jeu. Du coup, on va changer l'ordre. On va mettre R6, le mamochon. Moi, je suis en pleine forme. Je me sens capable de battre le maître de la ligue. Avec les cartes prépayées, ça fait 40. Ah oui, si t'achètes la carte prépayée. Mais... au pire des cas, tu... C'est un spectre, c'est chiant. Taillade. Taillade, ça va rien faire. Ok. On va changer de Pokémon. On va enchanter. Qu'est-ce que je disais? Oui, après, avec la carte prépayée, bon, tu payes plus de points que... tu payes plus d'argent que... de yens. Que tu ne devrais, mais avec les yens que t'as en trop, t'achètes un abonnement. Moi, c'est ce que j'ai fait, hein. Enfin, c'est ce que je vais faire, je l'ai pas encore fait. Là, en fait, pour l'instant, je compte pas faire encore du multi. Peut-être quand il y aura les lives, et encore. Pour les lives, je ferai le let's play. Mais pour l'instant, je farm. Et dès que j'aurai plein de bons decks, j'achèterai le multi. Un abonnement. Bon, du coup, Kikin. Qu'est-ce que je voulais faire? Je parle toujours de chiffres. Eh oui, les gars. Du coup, c'est comptable, quoi. C'est la suite du full random. C'est la suite. C'est surtout les DLC, s'ils abusent autant que les Ghast of Abyss, on a déjà... Ça va pas le faire. C'est vrai. Et en vrai, ce qu'ils pourraient faire, et se faire toujours de la thune, mais ce serait de faire un DLC 5€ par mois. Avec les cartes mises à jour. Même si ça a 3... même si ça a 6 mois de retard avec le TCG, ça ferait des nouvelles cartes chaque mois. J'ai pas vu ce qu'il a envoyé. Alligature. Avec 8 de moyenne maths, je suis le comptable d'Alex. Yes! Yes! Exact. Il a raison. Hein. Eh, le herbe. Ça ne fait rien, ce n'est pas très efficace. On va faire un petit triple pied. Il rate son attaque. Force cosmique, c'est pour récupérer des... Non, c'est pour augmenter les stats. Défense, c'est défense spéciale. Triple pied! Uno! Toso! Ça fait que dalle. Tres! Oh. Guys! Atsu! On va faire... On va faire peu importe, Griffon, vas-y. Vas-y, la ligature et Mikao. Kikin 1350, bien joué Kikin. Mascadra. Ah bah là on peut rester avec Kikin. Il va lui mettre une petite roue de feu. Quoique, attendez, il est quoi lui? Il est insecte quoi? D'ailleurs je l'avais confondu avec Boscar. Mais... Mascadra. Il est insecte quoi déjà? Insecte vol probablement. Il a des attaques hauts. Allez, on a battu le pêcheur, Mathéo. Mascadra Aéroblast. Coup de pied. Quel Pokémon serait Mikao avec des coups de pied? Avec beaucoup de coups de pied, hein. Non, on va rester sur ça. Regardez avec mon mamochon derrière moi, là. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'ils comptent faire, mes adversaires, hein? Oh, regarde-moi tous ces balles, je suis bluffé. Mais ça ne te suffit pas de les collectionner, hein. Ah non, il me faut la ligue. Il me faut la ligue, guys. Abra. Ça, un télékinésiste RP. Guys. Il est RP. Taillade. Mascadra égale insecte vol. C'est sa pré-évolution qui est haut insecte. Ah, c'est peut-être pour ça que je confonds. Lumière éclat. Tu. D'ailleurs, ils auraient dû garder ce type pour Masca. Après, il vole, donc c'est logique. C'est logique de le garder. De le changer. Quoi?
corps ardent. Tu te fous de ma gueule. On peut dire que tu l'as taillé. Ouais, je sais, je sais. Pokémon, par contre, on va changer de Pokémon, hein. On va mettre Dark. D'ailleurs, toi, on va prendre ton objet. Œuf chance. Objet. On va... Non. Oui. Dark ne tient rien. Comment voulez-vous lui voler des trucs? Œuf chance. Allez, Dark tient l'œuf chance, puisque depuis tout à l'heure, je l'ai pas mis. Je ne sais pas où ça m'emmènera, mais je suis pas sûr que ce soit vers la suite. L'effet de repousse se dissipe. Bon, je rentre dans une maison. Bonjour! Ah, je suis sûr que tu te dis, quelle veine d'avoir trouvé un endroit où me reposer, non? Ne dis rien, je sais tout. C'est mon plaisir de voir le sourire affronté. Allez, laisse ton équipe se reposer. Ça aurait pu être drôle qu'elle me dise, bah non, tu te reposeras pas ici. Dégage de ma maison! Qu'est-ce que tu fais pour... Qu'est-ce que... Par contre, on a affronté que 3 dresseurs. Je sais pas pourquoi ils nous ont fait ça, non? C'est bon, c'est pas grave. Si tu es là, c'est que tu dois être un adversaire de valeur. Alors je ne retiendrai pas mes coups. Armalès, c'est la carte la plus stylée dans les cartes synchro. Oh, y a mieux. C'est pas mal, mais il y a mieux. Hop, on va mettre... Ballon. En vrai, j'ai Poison Croix. Je sais pas si j'ai... C'était pas en live que je l'ai eu, le Poison Croix, en fait. Je crois. One shot. Oui, Stardust, c'est plus stylé. Poisson Roi, changer de Pokémon. Qui a des attaques contre les Pokémon? Personne en fait. Y a que 8 Kangoo. Pourquoi les PNJ ils ont des starters? Parce que c'est random. Dame, il est où le Geeko? Dame! Il est là, là. Avec sa tête. Ouais. Ecosphère. Voilà. Geeko, regarde des pubs. Regarde, il y a un compteur. Plus 180 d'ailleurs, 181 PV, j'avais jamais fait gaffe. Allez, Cathy, dégage, Cathy. Oh mince. Regardez. Voilà, voilà. J'ai demandé à Geeko de regarder les pubs et du coup, ça a fait bugger le jeu. C'est le karma, ça. C'est le karma. Sauvegarde encore, ne pas éteindre. Du coup, on va relancer la ROM. Yes. Cette ROM-là. Nice bug! Comment t'as fait pour avoir Lugia level 37? Parce que c'est mon starter. Eh, Senpai. Senpai, t'as même pas... T'as pas regardé depuis le début du let's play, quand même. Alors, ça me mène à où? Nulle part. C'est pas mal. Je ne regarderai pas de pub, tu as assez d'argent. Quoi? Aïe, aïe, aïe. Surtout en IRL, Stardust a eu un nouveau design 3 fois plus stylé. Je sais pas si t'as vu, Alex. Bien sûr que je l'ai vu. J'ai ouvert j'ai ouvert un Duel Power avec la Malo Crasher en vidéo. Où on a eu justement cette fameuse carte. Magnifique. Infect. Quoi, peau dure? Eh oh. Ok, merci, ça veut dire qu'il pourra avoir 2 Lugia. J'aurais même pu en avoir 3, hein. Bah, le Lugia qu'on trouve dans la grotte, bon, je l'ai mis KO puisque j'en ai déjà un. Mais en soi, il y a... J'étais arrivé dans une zone, je ne sais plus où, où je pouvais capturer des Lugia, en fait. À quand le drama avec Lama? On travaille sur ça, hein. On prépare ça pour que je perde un maximum d'abonnés et qu'il en gagne un maximum. Changer de Pokémon, Kikin. Je préfère largement le Stardust originel, surtout en Ghost. Ouais, mais toutes les cartes en Ghost sont bien meilleures, ça je le sais. Mais... Roue de feu. Ouais, quand même, la nouvelle, elle est meilleure, je trouve. Beaucoup plus classe, et ça change un peu. Ça change un petit peu. Hop. Kikim 493 et on a battu Shawn. Shin. Alors, t'es fortiche, je peux avoir ton numéro? Non. Ijoseo. Stardust Dragon. Yu-Gi-Oh! Pokémon en même temps, un bonheur.
je sais. Tu fais quoi dans la vie? FC chômage. Quoi? Jirachi? Ok. Jirachi est quoi? Il me semble que Jirachi a un type vraiment bizarre, c'est pas Acier Psy? Ok, c'est bien ça, Acier Psy. Aïe aïe aïe. Si fort! Oh! Calme-toi. Calm down, Jirachi. Il est acier pur, je crois. Si... Ah, soin? Non? Non? Non! Oh, pas l'ombre. Mais sois, arrête! Et du coup, qu'est-ce que je fais dans la vie? Pas grand-chose, hein. Je suis youtubeur, vous voyez. Et je me démerde pour avoir de l'argent. Et voilà. C'est la définition. Mais arrête avec ton soin! Frère! Oh, ballon-ombre! Il lui restait un PV, là! C'est ordure. Ok, enfin... Oh, 2278. Nice ce combat showdown. Balbuto. Changer de Pokémon. Exodo. Salut Samuel. Tu pourras faire une vidéo présentation de tes cartes Yu-Gi-Oh? Bah ça va être compliqué, hein. En soi, les gardes que je garde pour moi, il y en a pas des masses. J'ai deux petits classeurs avec mes cartes à moi. Après le reste, c'est des cartes qui vont à la revente, etc. Donc je pense pas que ce soit si intéressant. Un jour, je pense que je présenterai quand même ma collection, mais pas tout de suite, quand ce sera un petit peu plus impressionnant. Bec Vrille. C'est quoi mon équipe? Des Pokémon. Serfrous. Changer de Pokémon. Regardez mon équipe! C'est bon, c'est terminé. Attendez, est-ce qu'il a une attaque combat? Oui, c'est vrai, il a une attaque combat. C'est quoi ta carte Yu-Gi-Oh préférée? C'est le Dragon armé des ténèbres. Dragon armé des ténèbres que j'ai en PTDN. Triple pied. First edition derrière moi dans ma vitrine. Bouffe le Surfrous, bouffe. Let's go. Hop, 1165 points d'expérience. Et il passe niveau 46. Dark Magician ou Blue Eyes White Dragon? Blue Eyes. C'est un dragon. J'adore les dragons. Objet prendre. Ordre. On remet Mamochon ici. Objet donner. Un lien pour voir les cartes que tu vends. Est-ce qu'il y a un modérateur qui pourrait le trouver sur ma chaîne? En soi, normalement, je crois que ma boutique, si vous allez sur ma chaîne, c'est dans les liens qui sont en haut. Hop, 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 hop. Mais j'ai pratiquement 4000 cartes à la vente. Non. Bon, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui. C'est quoi ta version Pokémon préférée? Par nostalgie, je dirais que la troisième génération est celle que j'ai préférée. J'ai perdu contre un dresseur aux cheveux rouges. Il était très fort, mais il en demandait 3 ce Pokémon. Est-ce que c'est le bon lien, Elec? C'est le bon lien. Voilà, Elec vous l'a mis dans le chat, hein, si jamais vous voulez voir les cartes que je vends. Je l'aurais fait, mais je suis pas modo. Mais t'es surtout pas assez souvent là, Geeko, en fait. Quand même, Geeko. T'aimes bien Star Wars? J'ai jamais regardé un seul Star Wars de ma vie. Alors, on va m'insulter, je le sais. Mais voilà. Désolé. Tout comme je n'ai jamais regardé un Dragon Ball.
One Piece. Plein d'autres choses. Si, Brésil. Hi, Brésil. Si, si, si. Ta force est bien réelle, je voudrais te rencontrer à nouveau. C'est un combattant encore et encore qui est resté. Je pourrais avoir ton numéro. Ouais, c'est une meuf, donc je veux bien. Alors, comment t'as pas pu regarder un Star Wars commence alors? M'intéresse pas. Porte d'accès à la Ligue Pokémon. C'est la Ligue Pokémon ou y a pas de route victoire là? What? Seuls les dresseurs confirmés peuvent passer. Oh, les 8 badges de Johto, je vous en prie, passez. Cette route mène au mont argenté. Les Pokémon terrifiants et vifs, tu n'as pas encore la force de faire ça. Par là, c'est Kanto, la route est bloquée, mes consignes sont claires. Personne ne doit passer. La consigne, c'est la consigne. Ah, là, d'accord. D'accord. J'ai compris. Du coup, faut aller là. Overlord va avoir une quatrième saison. C'est confirmé ou c'est une spéculation? Puisqu'en soi, la fin d'Overlord... Ça peut être n'importe lequel des deux. Hein. Et l'histoire continue. Ça peut être peu importe le jeu. Oui, bien sûr, faut faire ça. C'est un gros rocher! Utiliser force, oui. Bah, le premier adversaire de la ligue utilise des Pokémon Psy, ça va être super. J'ai pas de. Enfin, on est en random donc. Il va pas utiliser de Pokémon Psy. Sauf s'il est RP. Jus de baie. My Hero Academia, Goat. Hein? T'as regardé SAO? Oui, j'ai regardé SAO. Hop. On va passer ici. Il me faut cette Pokéball. Master Ball. Flûte blanche. Et JTO, sérieux, ça aussi t'as jamais vu? Eh non, j'ai jamais vu ça. Ah d'accord, vous êtes en train de me faire ok, vous êtes en train de me faire le topo sur les Pokémon du Conseil 4. Sauf que leurs Pokémon seront random les gars, donc ça ne sert à rien de me dire les types. Ça ne me sert à rien puisque bah, de toute façon bah ils seront randomisés. Ces infos utiles, waouh. Je le sais bien. On va passer comme ça. Oh, attendez, ça va trop dans tous les sens là, la route victoire. Les gars. Faut mettre un caillou ici. Ah non, il faut tomber ici. On va tomber ici. Ok. Voulez-vous utiliser force? Oui. Je réfléchis à comment on va faire, mais... Hop. Zoup. Et on prend la Pokéball. Flûte blanche. Non, mais arrêtez avec les flûtes blanches, là. Hop. Ouvre-toi ça. Donc j'ai l'impression que ces formes-là, c'est là où il y a les trous pour tomber. Donc, il faut pas tomber ici. Puisque ça ne servira à rien. Hop, on récupère lance en fleurs. DBZ et JTO, t'as jamais vu, mais tu viens d'une autre planète, c'est pas possible. Et... Attention, c'est déjà la fin. Oh non! En haut ou en bas, les gars? C'est en haut ou en bas? Histoire qu'on gagne du temps. Du coup, la semaine prochaine, au niveau des lives, ce sera comment? Normalement, ce sera peut-être que Pokémon jeudi et Yu-Gi-Oh! Samedi. Ce sera peut-être que ça. Il n'y aura pas le live du mardi. Au pif, en haut. Bon, like dominante ou dominé? Moi.
Allez, je suis un dominé, moi. Ton plus gros malaise, tu as une copine. Voilà, c'est ça mes malaises. Voilà. Vous complétez, hein, les gars. Vous venez d'y répondre. Alors. Ouais, ouais, j'ai une copine en 2D, ouais. Oh là là, ce dieu. C'était la... C'était bon ou pas? Peut-être. Allez, éclate-roc! Du coup, t'as raté une Pokéball. Zut! C'est bien dommage. C'est bien dommage, quand même. Pokémon. Rakaillou. Ah non, ça peut être n'importe... Un Galam. Je suis parti manger, il s'est passé quoi? Bon, j'ai commencé la... La route victoire. J'ai commencé la route victoire, et bon... Personne perd. Yes. Mais alors, Lugia avec la troc, MDR. Sa copine, c'est X-Video. Mais non. Mais non. Je suis un weeb, je suis pas sur X-Video. Je suis sur Nentai, plutôt. Toxique. Voyons, les gars. Voyons. Réfléchissez un petit peu, hein. Bon, du coup, il fallait aller... Ici, ici... Pokéball! Défense spéciale... Sérieux. Ah oui, il y a eu un Jirachi. Il y a eu Miss Jirachi qui m'a fait chier, en fait. On est déjà à la fin? Elle est nulle, cette roue de victoire. Minute, tu vas relever le défi de la Ligue Pokémon? J'imagine que nous sommes juste devant la sortie de la roue de victoire. Mais tu as vu, il n'y avait pas un seul dresseur jusque-là. Feu! Tous des minables, les uns comme les autres. Bah, si toi tu as pu arriver là, jusque là, alors tu es peut-être moins ridicule qu'eux. Mais tu n'iras pas plus loin. Parce que je vais t'écraser maintenant. Boum. Je pars 25 pubs et maintenant 53. Eh oui les gars. Go Boo. Ah oui, ça a augmenté. Hein. C'est lui le minable. C'est toi le minable. Onde vide! Ouvre-toi ça! Alors tous ces Pokémon là, ils sont full life là. 6v6! Et hop, j'ai esquivé l'attaque. Plaquage! Je vais te plaquer! Et il a Jean-Tony Oji. Mais non, j'ai pas Jean-Tony Oji. Ah, lui là, en face. It's Jean-Tony Arco! change de Pokémon. Kikin! Et 53 pubs égale 2,65€. Pas exactement, puisqu'il y a des... T'es parti du principe que c'était 5 centimes la pub. Ça devrait être moins que ça, du coup. Roue de feu. Puisqu'en fait... Hop. 0,05 fois 53 égale 2,65. Sauf qu'il y a des pubs à 4 centimes, donc... non. Ça ne donnera pas exactement ça. Ça donnera moins. Flobio! Changer de Pokémon. Heito Kongu! La copine d'Alex Yuki, c'est Akiza, oui. Akiza! Ouais, plus communément appelé Aki, puisque voilà. Voilà, il s'est fait one shot, le pauvre guignol. Ça va passer à 55. Regarde, c'est cadeau. Oh, 54. L'euphorie. Oh non, le l'euphorie. Changer de Pokémon. Kikin. On balance un petit Kikin. Rival Beach. On va faire un triple pied. Oh! 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 Et ce n'est que le premier pied! Ah, coup critique. On a one-shot l'euphorie! Qu'est-ce que tu vas faire? Biche! Et voilà. Petit 55. Et ben merci à toi, player def. T'es 1185. K-Morse! Changer de Pokémon. On va mettre Dark.
Akizapfu, seules les personnes mal finies qui regardent la VF l'appellent comme ça. Akiz. À 100 pubs, un freestyle. Un freestyle. De quoi vous parlez? Enfin, triple pied à toi aussi. Hein. Biche se guignole. Biche, il est là, il a 3 Pokémon starter, il s'y croit. Hein. Et il faut, en plus, il fait un gros bisou. Ouais. Et il s'endort. Je regarde encore une pub. Bon, allez, on pensait... Oh, allez, allez, une petite pub, peut-être. Triple pied. La puissance de Kikin. Kikin qui a two shot l'autre. Electacle. Ça devrait pas faire non plus ma... Oh là là. Il se blesse en frappant. Fuck, j'ai bu du café. Comment je fais pour dormir? Electacle, non. Et il se blesse. Triple pied, il se réveille. Boum. Boum. Et boum. RIP Dark. Electacle. Plus de 40 viewers et seulement 9 pouces bleus. Tendinite au pouce, les gars. Faut arrêter Xvid 1. Oula. Il y en a qui chopent la tendinite du pouce s'ils vont sur Xvidéo. Eh ben, j'en apprendrai tous les jours. Go créer une macro pour regarder des pubs toute la nuit. C'est pas ce que... Je sais pas ce que c'est, mais... Ouais. Mais merci de m'avoir tué. De rien, Dark. T'inquiète. C'est pour moi. Et voilà, 56, merci à toi, player def. Hop, et tour, Tipousse. Continuez le combat. Ben voilà, ce fut facile. Je vois, il t'a fallu plus que de la chance pour arriver par là. Ou ici, bref. Et voilà, one shot de Tortipousse. Encore une pub ou pas? Bah allez, on fait tourner. Tant que t'en as. Tant que tu en as. Pourquoi pas? Je commence à comprendre ce que Dracologue a dit. Un système qui relance une pub à chaque fois. Après, les pubs ne sont pas illimitées, hein. T'en as pour... tant par jour, en fait. Je mettrai toutes mes forces dans le combat et tu perdras feu à crochet minable. Okay. Et voilà, 57. Yes, on adore, 57. J'adore ce chiffre. Nani? Oh, le plateau indigo. Le plateau indigo, il a changé quand même, hein. Hop. C'est bon! Ouais, changer 57, là, c'est pas ouf, en vrai, hein. Les gars, changer le 57. Hop. Voulez-vous les soigner? Oui. Ok, je prends vos Pokémon un instant. Tu vas faire Kanto? Oui. Ouais, je vais faire Kanto. Alors, du coup, bienvenue. Acheter, on va acheter des potions max, tout ça. Des hyper potions. On va en acheter 20. Ah, 58. C'est bien ça. Là on est bon, là on est bon là. Hop, 14. Total soin, ouais. Je vais en acheter 15 aussi. 15 c'est mon chiffre. Défi, faire les 100 pubs avant qu'il batte Peter. Ouais, j'avoue les gars, on se met ça comme objectif. D'ailleurs, je pourrais vendre des objets. Hein. Je pourrais... Puisque j'ai des perles, j'ai tout ça. J'ai perles. Hop, on va vendre, oui, plus 700. Obtenu pour cette vente. Tesson rouge, herbe mentale, non. Pépite, j'ai 2 pépites. Let's go pour vendre ça. Gagner de l'argent en jouant à Pokémon. No way! Apparemment, c'est possible. Os rare. Os rare, ça se vend. Hein. Oh, 5000! Let's go. Oh, on s'en fait de l'argent. Si on fait 100 pubs, je passe modo. Geeko, ouais, si on atteint 100 pubs, je te mets modo. Allez, hop.
pense que ça va être tout, hein. J'ai rien d'autre à vendre. On va le faire. La pierre ovale sert à quoi? À faire évoluer. Non, nul. Et à 99, je te banne. Ouf. Ouf. Pas nulé. Quitter. Alors, nous espérons vous revoir bientôt. Donc, pourquoi le samedi, pas de publicité dispo? Ça veut dire que... Si ça vous dit pas de publicité dispo, ça veut dire que vous avez regardé toutes les pubs. Si vous n'en avez pas regardé, c'est que vous êtes en dehors de la France. Et YouTube ne peut pas diffuser de pubs en dehors de la France. On va déplacer ça. Yup. Et on va... salut. Oui. Pour décapiter la pierre ovale. Alors, on va juste changer les objets pour notre pour nos Pokémon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Ça, on s'en fout. On s'en fout. Peau métal qui monte la puissance. J'ai pas le truc acier. J'ai des attaques plantes en vrai. J'ai des attaques plantes, rochers. Je peux mettre grain miracle donné à Aquali. Je suis en dehors de la France. Changer de place avec un... Ok, ça c'est psy, j'ai rien en psy, j'ai pas de ténèbres, si j'en ai... Tiens, ça je pouvais vendre la poussière. Ok. Roche humide, danse pluie, on s'en fout. La plaque de feu, on peut éventuellement la donner à Simiabras. Plaque flamme. Moi, j'ai pas... hein, je suis dans tel, donc... hein? Quoi? L'attirance... Il semble provenir d'un outil très ancien. Plaque toxique. Poison. J'ai une attaque poison avec... donnée. Je vais la donner à Dark. Plaque point. Plaque point, je peux la donner... J'aurais pu la donner à Dark. Non, je vais la donner à Kikin. Ouais, ouais, c'est mieux. Hop, hop, hop. Protecteur, plaque rock. Les attaques roches, on s'en fout. Stade vitesse. Ça, c'est quoi? Augmenter l'attaque spéciale, mais ne permettant d'utiliser qu'une sorte de capacité. La flûte noire, on s'en fout. Plaque draco. Mais c'est la précision de l'ennemi. Oh, ça, c'est pas mal. C'est pas mal, en sans doux. Toi, je sais pas ce que t'as. Allez, hop, on va te donner ça. Les lunettes choix. Augmente sa vitesse. Dragon, on s'en fout. Rune purif. C'est des douteux, on s'en fout. Bec pointu, les capacités de type vol. Il a déjà un objet, Nidoking, hein. Chaude par le porteur, plaque terre, ça c'est pour les attaques sol, j'en ai pas, type sol. Hop. Fossile racine, orbe toxique. Ah ouais. Orbe bizarre empoisonnant gravement son porteur durant le combat. S'il a les PV plein, évite un potentiel KO, ok. On s'en fout. Et ici on a... Les notes attirent les Pokémon sauvages. Bon, et plaque flamme, ok. Ok, Alex, tu ressembles trop à l'autre, quoi. Très bien, c'est très drôle. On va sauvegarder. On va sauvegarder. Et du coup, sauvegarde en cours ne pas éteindre. On est à 64 pubs. Hein. En fait, les gens ne veulent pas que Geeko soit modérateur. Ça, je comprends. Mais c'est ainsi, j'ai tout ça. Ok. Bon bah, rentrons ici. On l'a sauvegardé, c'est bon. Orbe toxique est utile sur champignon, par exemple, avec son soin poison. Ah, en champignon plutôt. Oui. Courage. Let's go. Je vais re-sauvegarder quand même. Toujours sauvegarder. Oui.
À la fin d'Overlord 3, il y a un écran noir et écrit « Et l'histoire continue ». Mais en fait, pour moi, quand j'ai vu les... « Et l'histoire continue », je me suis dit... C'est comme... C'est comme dire... Comment dire c'est pour dire... Et voilà, l'histoire continua de telle manière et comme ça, voilà, fin de l'histoire. Puisque s'il y avait une fin annoncée, enfin s'il y avait une suite annoncée, ils auraient plutôt dit quelque chose du genre à suivre ou quelque chose qui énonce plus. Puisque l'histoire continue pour moi c'est... voilà, l'histoire continuera de cette façon, mais sans pour autant qu'on vous le montre. Et ainsi de suite. Comme ça, c'est comme ça que j'ai compris. Ça peut avoir les deux, ça peut avoir les deux significations, mais... Pour moi, ça confirme pas la saison 4. Bienvenue à la Ligue, je m'appelle Clément, j'ai parcouru le monde pour tout connaître sur les Pokémon de type Psy. Grâce à mon expérience, j'ai gagné la place au Conseil 4, mais je continuerai à m'améliorer, je ne peux pas perdre maintenant. À suivre comme No Game No Life et Maggie. Maggie, faudrait peut-être que je m'y mette un jour. T'as les potions en masse, rappel? Oui. Suicune! Mais voilà, ça commence! Ok! Ça ne perd pas de temps, on vide. Ouvre-toi ça. No game, no life. Quoi? Il est haut, c'est vrai! Il est haut, cet abruti! J'ai toujours cru qu'il était glace. Pokémon. 8 Kangoo. Let's go. Yes, le stall. Pourquoi? Mais Suicune. Oui, bon, il est haut. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours cru qu'il était glace. Écosphère. Gaffe à Fumilifère, MDR. Mais t'inquiète, des tricanons. Boum. C'est bon. Il foule. Ah ok. 1381 R6 monte au niveau 46 du coup. Charmina. On va changer de Pokémon. Et on va mettre Dark. Dark, tu t'occupes du Charmina. La ligue, en vrai, en random, ça m'a l'air beaucoup plus compliqué puisque déjà les Pokémon ont de bons niveaux. Et surtout que c'est... Random en fait, tu peux tomber sur n'importe quel type de Pokémon. Tiens, on va lui balancer une petite balle ombre. C'est super efficace. 344. Voltali. On va changer de Pokémon. Qu'est-ce qu'on peut mettre contre Voltali? Entei. Entei, je me... En fait, ça fait un moment que je l'ai pas utilisé. Salut Dark Gamer. Hop, on va... Ah oui, il a tout ça. Laser Glass. T'as pas... Ouais, ça fait pas beaucoup, hein. Pied Voltige. Coup de vent. Non, il rate son attaque. C'est le pire des trucs. Et en plus, il prend tellement cher. Draco Météor. Ça fait quoi, ça? Il déclenche un cyclone. Ce duel est une tempête! Éventuellement. Tiens, bouffe-toi le Draco Météor. Oh, mais... Bon, son attaque spéciale baisse beaucoup. Mais on peut faire pied voltige derrière. Coup de vent. Fait mal. Mais arrête de rater tes attaques, espèce de débile! Et il s'écrase au sol. Et il utilise guérison! Oh, mais quel guignol! Quel guignol! Ah, pour le coup, par contre, il fait mal. Hein, avec le pied voltige quand il touche. Hein. Provoque. Provoque, c'est que les offensives, hein, c'est ça? Allez, bouffe-toi ça. Bon, je suis mort. Ouh! Ils ont de bons pokés pour un random quand même. C'est exactement ça. Ah bah, ça a changé. Hein. Qui a des attaques roches?
J'ai des attaques électriques, mais... On continue. Peter en hara un Miaouss. Point éclair. Gros piaf avec, hein, pour le random. Je crois que c'est son Ace Pokémon. 522. Et Pifeuille. Changer de Pokémon. Hop. Kikin. J'aurais même pu mettre Nidoking. Piafabec, je retire ce que j'ai dit. Le Pifeuille. Tout l'attrait des Pokémon Psy. Ne jamais abandonner jusqu'à la fin. Pourquoi il parle de Pokémon Psy? Il n'y a même pas de Pokémon Psy là. Guignolo. Guignolo. Autre feu, est-ce que ça va le mettre KO du premier coup? Bien sûr, guys. Bien sûr, les guys. 1237. C'est incroyable. Certes, j'ai perdu, mais ça ne change rien pour moi. Je dois continuer à me battre pour devenir le meilleur des dresseurs. Continue ta route et découvre la véritable force. La véritable force du conseil 4. Ah, je sauvegarde pas. Pas besoin. L'effet... Oh, je le repousse. Ouais, j'ai pas besoin de sauvegarder, vous savez. Ah, fameux Koga. Qui on va mettre en première ligne? Ouais, on garde toujours R6. Je suis Koga du conseil 4. Je suis un ninja contemporain. Je connais toutes sortes de techniques de combat pour perturber l'ennemi, le déconcentrer, l'empoisonner. Je suis imprévisible. Ouah, ah, ah. Il est temps de t'apprendre que certains Pokémon ne peuvent pas être vaincus par la force pure. Vas-y. Pifeuille, no way. On est à 74. On est monté d'un coup là. Gros lème. Eh, c'est quand même vrai que... Qu'ils ont de sacrés bons Pokémon pour du random, hein. Onde vide. Oula, ça fait pas beaucoup. Ils sont se cachés. C'est super efficace. On continue onde vide. On le fait 3 fois, c'est bon. Hein. Il est terminé après. Sauf s'il me fait guérison. Dans l'Event Tag Force, on pourrait faire des tag duels avec les persos de 5-10 aussi. Normalement, oui. Normalement, oui. C'était le cas la dernière fois. Je regarde pub sur le PC. Tel et le tel est à ma copine. Ok. Très bien, hein, Geeko. 2274. Galam va être envoyé par Conseil 4. Koga. Mais regardez. Changer de Pokémon. Exode. Alex, si tu doubles le deuxième dans une course, tu es combien? Je suis deuxième. Les gars, vous ne mourrez pas avec ce genre de choses quand même. Vous ne mourrez pas avec ce genre de choses. Allez, bec vrille. Ouh, c'est le one shot. C'est le one shot, guys. Geeko, il veut être modo. Ça se voit. Et allez, niveau 46. Ammonita va être envoyé. Ammonita, il me faut une attaque plante, changer de Pokémon, et toi t'as une attaque plante. Ammonita va se faire dégommer, pauvre de lui. Par contre j'ai rien prévu pour les PP, donc il va falloir que je fasse gaffe à mes PP. Alors ça va être tendu. Ammonita ennemi et KO. 933, Kaorin. Continuer le combat. Kaorin, il est sol psy, hein. Roche psy ou sol psy. Dans les deux cas, Écosphère va... Enfin, Cascade va marcher dans les deux cas. Dracobetteur. Ouah. Ok. Sol psy. Calme-toi. Coup critique. Je sais pas, par contre, je ne sais pas ce que ça fait si on dépasse l'objectif des 100 pubs ce soir. Je sais pas ce que ça fera. Cascade, encore. Ah, il fait rebond. Il bondit. Il bondit, Pokémon. Rebond, c'est quoi? C'est vol ou normal? Dans les deux cas, ça va pas toucher Dark. Enfin, ça va pas faire mal à Dark. C'est vol.
pouf, toi, ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, il m'a. Il m'a paralysé. Le salaud. Bah, l'ombre. Mais, arrête! Il bondit! Il bondit tel un. Un spoink? Encore rebond. Non, mais autant mettre tout le chat modo à 101 LMAO. Oh, il est paralysé. Oh, mais c'est le pire! Oh, mais non! Les 30% de chance de para. Le parax! Ouais, bouffe-toi, sale cavalerie. Oh, ouais. Et niveau 47 pour 8 Kangoo. Nirondelle va être envoyée par le conseil 4 Koga. Changer de Pokémon, on va mettre Entei. Les Pokémon, ils ont pris cher. Hein. Il va falloir déjà soigner mes Pokémon après deux combats. Mon ultime Pokémon, ah ah ah, attends, mieux, c'est sur lui que je comptais le plus. Nirondelle? Nirondelle? Ouais, pouf, t'es mort. Ok. Ok. Oh, 77 pubs. C'est comme... J'ai combattu de toutes mes forces, mais... Je ne suis pas assez fort, je ne peux que m'effacer, va dans la prochaine salle. Comme la Seine-et-Marne. 77. Un ninja rondelle, oui. Super potion utilisée. À qui il manque? Ils sont tous dans le mal. Ils sont tous dans le mal. Hyper potion utilisée. Alors sur toi. Ricard, c'est un putain de troll, ce mec. Bah, si vous voulez qu'il soit ban, dites-le, hein. 131 PV. Hyper potion utilisée. On va utiliser ça sur lui. Du coup, j'ai pris des guérisons. Ou je sais plus. Je sais plus si j'avais pris des guérisons. Et j'ai un super bonbon. J'ai des rappels. J'ai de l'eau fraîche. J'ai un rappel max. Un total soin. On va prendre le total soin utilisé. Hop, on va le mettre sur Dark. Et on va mettre de l'eau fraîche. De l'eau fraîche sur toi. Lava Cookie. Ah, c'est pour les statues. Ouais, j'avoue, Ricard, je te crois. Hein. Je te crois vraiment. Alors, on va lui mettre une potion, tiens. Potion, c'est la bonne solution. Voilà. Allez, on continue. Hop, hop, hop. Et du coup... Ah oui. Aldo! Je suis Aldo du Conseil 4. Ma philosophie, c'est d'avoir confiance en son potentiel et de s'entraîner jusqu'à ses ultimes limites. Et tu crois pourtant pouvoir nous égaler malgré cela? Oh, ça ne t'intimide pas, on dirait. Très bien, ton visage me dit que le combat peut commencer. En garde, Alex. Voyons voir si tu résistes à notre surpuissance. Ya! Ya! Ça fait plaisir de voir des vieux jeux Pokémon. Abra. Ah, enfin peut-être un membre du Conseil 4 qui a des trucs genre pas si ouf. Ok, je t'attends en paye tout seul, Ricardo. Hein. Ricard, machin. Ok, on va refaire taillade. Les bonnes musiques. Les musiques de Pokémon, c'est tellement... C'est tellement génial. 1012. Obali. Changer de Pokémon. Entei. On va mettre le petit Entei. Et du coup, ce petit Obali, on va lui mettre un petit point éclair. On va même plus faire pied voltige, mais pied voltige, vas-y, j'arrête pas de me casser la gueule avec. Ça ne marche pas trop bien. Oh! Octazooka! On va lui refaire un petit pied voltige. Ah, il fait guérison.
peux mettre une musique en fond, celle du combat contre Red, elle est trop bien. Mais please, pied voltige. Il a encore raté son attaque, il me saoule. Entei avec les pieds voltige, il maîtrise pas en fait. 675. Yanma. Continuez. Prédiction, il prédit Draco Météor. Si tu veux, point éclair. Compliqué pour lui de sauter. C'est surtout compliqué vu qu'il a pas de pied, donc Entei maîtrise les Kyogre mais pas les autres galipettes. Ça va. Ah, vitesse de Yanma et demi BS. On est clair. C'est donc des paroles en l'air, Ricard. Ouf. Alors, 1449 points d'expérience. Que note. Il a les pires Pokémon. Il a vraiment les pires Pokémon. Aïe, 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 aïe. Ça mérite un ban. On va lui faire triple pied, du coup. Le ban de Konotor, on y va. Oh non, il s'est arrêté à deux. Malédiction. Bidouf. Le bid, ouf! Triple pied! Mais il est kawaii, coup critique. Il est kawaii que Notor. Que Notor. Salamèche! Changer de Pokémon. Il a les pires Pokémon. Lui, ça va. Ça, c'était. C'était un gratuit, là. Sois digne de tous ceux qui sont tombés avant toi. Ouais, il va être digne. Oh, suc digestif. Calme-toi. Prends-toi cascade, fais-toi one shot. Le stab, plus l'objet qui augmente les Non, je lui ai mis un objet qui attaque les. Qui augmente les attaques prenantes. Voilà, ça c'était une free victoire. Vous avez battu Conseil 4 Aldo. Moi perdre. Moi perdre. Il vient littéralement de te vomir dessus. J'ai perdu le droit de te parler. Avance vers la prochaine salle. Ah oui, t'as intérêt, moi je te parle pas. Hein. Je parle pas à des guignols comme toi. Hein. Hop, Entei. Voilà. On va remettre Entei devant. Entei, ordre. Donc il me reste plus que... Un dresseur et... Ah oui, il reste elle et le maître de la ligue. Je suis Marion, du Conseil 4. Tu dois être Alex. Tu as l'air d'être quelqu'un d'intéressant. Ce que j'aime, ce sont les Pokémon de type ténèbres. J'ai toujours trouvé leur façon de se battre impressionnante. Je suis sûr que tu es du même avis. Seras-tu capable de leur faire face? Fais de ton mieux et tente de me vaincre. Allons-y! Marion. Regarde-moi cette chaudasse là. Yeah, regardez là. Ouais. Alors, conseil 4. Jirachi. Non. Le stall. Bon, ça marchera pas pour moi. Ah, il reste plus que 20 pubs pour que Giko passe éventuellement mon dos. Je vais pas tenter pied voltige. C'est mort. Kikine. Elle est un peu dark comme moi. Alors il faut dire un truc au mec de Pokémon triple pied, tout est dans le nom MDR triple, pas moins. Les gars, faut plus regarder pub. Roue de feu. Et là tu stalls Jirachi. Miss Jirachi là. Alors, je l'ai one shot. Hein. Staros. Changer de Pokémon. Il me faut toujours Entei en vrai. Je
peux toujours sortir un petit hentai. Je sors un hentai. Explication. Staros. Point éclair. En plus, il y a hentai dans le chat. Oh là, c'est parfait. Si Jiko pas... Super. J'ai été en train de lire et t'as retiré le commentaire. Vague psy. Petit point éclair qui va peut-être bien passer. Il va peut-être bien le one-shot. Ah, même pas. Elle va me sortir... Elle va me sortir... Non, même pas. Une guérison, j'allais dire. Hentai, la réponse à tous vos problèmes. Quand ça va mal, prends Hentai. 1863. Et boum, le Hentai niveau 46. Archéomir. Changer de Pokémon. On va prendre Kikin. Tu joues sur quoi? Sur émulateur, sur Deathmoon. Alors, du coup, on va passer à l'attaque. On va faire... On peut faire Griffombre. On va faire Roue de Feu d'abord. Voir ce que ça peut donner. Si Jiko ne passe pas Modo, j'offre un don de 1€ à Alex. C'est la dash, je peux pas faire plus. Ce serait déjà beaucoup. Hein. Non ! Siffler ! Non ! Oh. J'ai vu le message. Hein. Hugo, il va falloir assumer. Hugo, va falloir assumer. Et surtout que ça reste sur, sur le chat restream. Chef. Moi je dis non mais Kikin, arrête de dormir. Oh. Comment est ton message Hugo Gosp? Roue de feu. Marteau poing. Mais Kikin, il est en train de dormir pendant 10 tours. Choc mental! J'assume parfaitement. Enfin! Aux portes de la mort, il se réveille! Allez hop! Kikin guignol. Quel guignol ce Kikin! Ramolos! Changer de Pokémon. On va mettre 8 kangourous. Fais la grasse mat. Et voilà, TG. Quoi? Un modérateur sur Twitch! Un modérateur sur Twitch! Y'a Kikin! Arrêtez-le! Écosphère! Si Jiko passe pas, modo 1€ pour Alex. Moi j'ai lu ça, hein. Moi j'ai lu ça, c'est screen là. Là c'est screen. Niveau 47 le Ramolos, by the way. Hein. Il rigole 0. Et Grêle continue. Il reste combien de Pokémon? 1? Royce. Aïe, je suis frappé par la grêle. Steelix. Continue le combat. Je l'attends ici de pied ferme. Ebulilave. Alors, tu vas faire quoi le Steelix? Le Steelix. Non, oh, non, c'est pas pour one shot. William. Oh. Aïe! Ça, ça fait mal. Vachement dark, sa team. Hop. Jamais personne ne m'a acculé ainsi dans mes derniers retranchements. Jamais personne ne l'a acculé. J'ai bien dit acculé. On lui met une petite cascade. Qu'est-ce que tu vas faire avec la cascade? Ok. Pas grand-chose, apparemment. Et je suis frappé par la grêle, et lui aussi. Allez, encore un petit peu. Et Bulilave! C'est bon. Ça, ça passe, au moins. Eh oui, eh oui. 1848. Conseil 4, Marion. Vraiment bien joué, c'était tout simplement exceptionnel. Elle a quand même la queue de Ramolo, c'est celle de Styx. Quoi? Un Pokémon faible? Quoi? Ferme-la. Ferme-la. Je t'aime bien. Ouf, je sais que tu comprends cela. Continue, le maître t'attend.
Le maître matin. Pokémon. Bon, il va falloir. Sac. Donner une potion. Utiliser. À qui? Qui a besoin? Toi, t'en as besoin. Voilà. Utiliser une autre potion. On va faire petite potion par petite potion, hein, pour que tout le monde soit full. Utiliser. Utiliser. Ici aussi. Hop. Potion. Pas la potion là. La super potion. On va l'utiliser aussi. Sur R6. Et on va mettre une hyper potion. Utiliser. Ici. Et est-ce que j'ai toujours une super potion ou un équivalent pour 8 Kangoo? Non. Attendez, jus de B c'est quoi? Restaure 20 PV à un Pokémon. Ça a l'air vachement bien. On va réutiliser. Bizarrement, le compteur de pub n'avance plus. Ouais, peut-être parce que tous ceux qui le voulaient ont regardé les pubs. Du coup, ils n'en ont plus de disponibles. Des mini Draco. Oh, c'est stylé, ça. Hop. Allez, vas-y. Il va pas voir. Il va pas voir. Je monte ici. Il ne va pas me voir. Ah, ok. Je t'attendais. Alex, je savais que tu allais finir par arriver ici. Bon, assez parlé. Nous allons juste nous battre pour savoir qui est le plus fort. Je suis le dresseur le plus puissant. Le maître de la ligue. L'expert dracologue. En garde. Par contre, j'espère qu'il va pas me défoncer, puisqu'en fait, j'ai pas sauvegardé. Que penses-tu de ta communauté? C'est des gens bien sympas. Oh, il y en a qui sont moins intelligents, mais... Oh non, j'aime bien ma communauté. Bon éclair. Trou noir! Bah oui! Aussi! Il y va... Il m'a fait trou noir, il voulait mettre KO tous mes Pokémon en un coup. Bon bref, je vais pas vous gâcher vos l'écoute de cette musique épique. Ouais, c'est avec ta guérison, là. Laser glace. Point éclair. Je suis plus fort après tous ceux que tu vas rencontrer après, évidemment. Coup critique. Et point éclair. Feras-tu des Nuzlocke? C'est pas ce qui me tente sur Pokémon, les Nuzlocke. Calimorse! Continuez le combat. Putain, mais elle est géniale cette OST. Je vais pas parler de tout le combat juste pour profiter de l'OST. Oh, Smerang. Oh, heureusement qu'ils ratent toutes leurs attaques en face. Hein. Pied voltige. Ouf. C'est un petit peu de mal. Ah, il y a un jeu heureux, il y a le meilleur thème du jeu. Oh oh, il y a une baie. Baie citrus. Oh, Smerang. Aïe. Oh, il peut l'envoyer plusieurs fois, le Smerang. Super efficace, touché deux fois. Pied voltige. Yes. Je pense que c'est bon. Tu n'aimes pas le challenge, toi, à ce que je vois. Non. Oh non, il est mort. Entei est mort. Un partout. Un partout. Qu'est-ce qu'on peut kick-in? Ah non, j'aurais peut-être pas dû faire kick-in. Bah non, puisqu'il est in attack seul. Triple pied. Ah, j'ai fait triple pied en pensant qu'il allait faire guérison. Ouh. C'est bon. Il ne fera pas de Nuzlocke. Mais surtout qu'on est vers la fin du jeu, donc si je faisais un Nuzlocke à ce moment-là... Mais j'aime pas les Nuzlocke. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ce genre de choses. Triple pied ou big pied?
Alex, t'aimes bien l'argent? Qui n'aime pas l'argent? Direct toxique. Ok. Et on refait roue de feu. Allez, 3. 3 Pokémon, KO. La moitié. Métamorphe, please, Peter. Snubbull. Continue le combat. Ça va. As-tu essayé d'autres jeux de cartes style Shadowverse? J'ai déjà essayé, enfin j'ai déjà joué à une période pas mal à Hearthstone. J'ai beaucoup joué au jeu. Aujourd'hui moins. J'avais testé Shadowverse. J'ai beaucoup aimé, mais je me dis que je n'ai pas le temps en fait. Pour un jeu de cartes, il faut y consacrer du temps et aussi de l'argent éventuellement. Pour avoir les cartes. Mais c'est surtout du temps pour maîtriser tout, avoir une bonne connaissance du jeu. Surtout quand tu débutes un jeu. Simiabras va être envoyé. Changer de Pokémon. Hate Kangaroo. Et du coup, moi, je veux dire, je dois déjà à peu près connaître, parce que je fais des vidéos sur YouTube, ben, tout ce qui se passe par rapport à Duel Links et au Speed Duel. Donc connaître un petit peu la méta, ce qui est vraiment bien dans le jeu, etc. Donc déjà sur ces deux-là, je dois bien connaître. Et surtout que je veux me mettre un petit peu à fond sur Link Evolution. Et Link Evolution, en fait, c'est le TCG. Le TCG est très compliqué, du coup, il faut que je réassimile tout ça. Savoir quelles sont les cartes qui vont être vraiment bien utilisées dans mes decks, etc. Et remaîtriser certains decks. Donc ça, rien que les trois là, rien que ces trois formats différents du Yu-Gi-Oh prennent du temps à maîtriser. J'ai pas tellement le temps de faire un autre jeu de cartes en plus après. Par contre des fois il y a des notes au bon hein. Et même après des fois, bon, quand j'ai le temps je préfère jouer à des jeux qui durent que 2 ou 3 mois. J'ai pas envie, si je m'investis dans un jeu de cartes c'est pour le long terme. Pas pour y jouer 2-3 mois quoi. Genre par exemple Pokémon là. Voilà, pendant 2 mois je fais des lives dessus, c'est bien sympa et après on change. Parce qu'il y a une fin. Alors que si Shadowverse je commence avec Articodin. Si je commence et que au final je bah, j'arrête d'un coup, bah ça va être net. C'est pas ultra compliqué le TCG, c'est juste de la prise en main. Oui, en soi, j'ai les bases. Après, c'est juste qu'il faut que j'apprenne à savoir quelles sont les cartes qu'il faut vraiment utiliser, vraiment les meilleurs staples et dans quelle situation, etc. Non, en soi, oui, j'ai les bases. Ça va aller vite. C'est pas non plus le bout du monde. Shadowverse, c'est génial comme jeu. De l'argent, je suis pas sûr, mais du temps, je suis d'accord, je comprends. Mais Shadowverse, c'est genre un jeu qui est graphiquement... Ok. Putain, il faisait camouflage, je ne voyais rien, je me disais, attends, le jeu a bugué. Tu as les bases, c'est pourquoi tu poses tout en main phase 1, et c'est pour ça. Je n'abandonne jamais, toi non plus, hein. Mais c'est un jeu qui graphiquement, genre, je m'y retrouve tellement, puisque c'est tellement beau, et ça fait très jeu animé. Et c'est ce que j'aime. Ce serait un jeu sur lequel j'aimerais bien évoluer, mais sauf que j'ai pas le temps. Hop, allez, va continuer. Et hop, Articodin is down. 1211. Et nous sommes le champion. C'est fini, je me sens bizarre. Je ne suis pas fâché, mais plutôt heureux. Heureux d'être le témoin de la naissance d'un nouveau maître. 10 000 Poké-Dollars. Toi, il ressemble à quoi, ton écran de jeu? Parce que nous, on le voit différemment, non? Vous le voyez en plus grand. Moi, je le vois en plus petit. Oui, il est grossi. Mais sinon, c'est à peu près pareil. Eh bien, tu as bien progressé, Alex. Toi et ton équipe êtes en parfaite harmonie. Je suis sûr que vous continuerez à progresser encore. Lula. Oh non, c'est fini, c'est votre faute, professeur. C'est qui, elle?
C'est qui lui? Ah Alex, ça faisait bien longtemps, tu as changé ma parole, ta victoire sur la ligue est ma foi impressionnante. Il faut un discours exprès. Yeah. C'est le rival, le champion de la ligue dans Verfeuille, Rougefeu. Ton amour et ton dévouement t'ont mené jusque-là. Ton équipe Pokémon a aussi fait du beau boulot. Tu es reconnu comme étant un être et un dresseur d'exception. Encore bravo, Alex. Faisons une interview du nouveau maître. Eh bien, quelle animation tout d'un coup. Alex, suis-moi. Oui, il s'en bat les couilles. Non, non, pas d'interview, casse-toi. Et bon, interview. Ah oui, c'est la meuf de la radio qu'on n'a jamais vue, je crois. Je n'ai jamais vu. Je ne suis pas venu ici depuis si longtemps, alors que tu es juste devant cette porte. Ce lieu consacre les maîtres de la Ligue pour l'éternité, et leur courage aux Pokémon sont aussi accueillis. Aujourd'hui, un nouveau maître a fait son apparition. Un maître qui aime ses Pokémon plus que tout. Un dresseur persévérant et déterminé. Tu possèdes tous les atouts pour être le plus grand des maîtres. Alex, toi et tes amis êtes désormais maîtres. J'espère te voir dessus, alors même si je comprends que ce soit pas possible, il y a très peu de bons youtubeurs dessus, c'est dommage. Enfin, GG pour la ligue. Alors, du coup, on a Entai. On a Exod. Qui est un Nidoking niveau 46. Nous avons Aquali. 8 Kangoo, niveau 47. Nous avons Dark, le Momartique, qui est niveau 46. Tu vas faire raid? Comment ça, je vais faire raid? Et nous avons Kikin, qui est niveau 47. Rencontré à la tour cendrée. Bienvenue au Panthéon. R6, le Mamochon, niveau 46. Tu vas commencer Kanto, là, du coup? Oh, on a une demi-heure, donc ouais, on peut y aller, hein, on peut commencer. Hein. On sauvegarde en cours, ne pas éteindre. On a le temps, hein. On peut continuer. Mais en soi, je pensais pas qu'on irait aussi vite. Après, mes Pokémon sont bons, mais... Je pensais pas qu'en une heure et demie, on ferait la roue de victoire, qui fut fort rapide. Change le titre, alors. Oh, c'est pas grave. Le fameux Kikin. Mochon à la route de glace. Bon, par contre, skip! 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 Voilà, bon, bah les gars, du coup, il faut attendre que ça avance. Hein. Allez, on va augmenter. Alors, bon, du coup, les gars, vous en pensez quoi? Je sais pas si je suis à niveau pour le prochain champion d'arène, en vrai. Je sais pas du tout comment ça se passe. Mais en vrai, un truc que je trouve extrêmement intéressant dans ce Pokémon, c'est franchement qu'il y ait deux régions. Et c'est le seul jeu Pokémon où ils font ça, j'ai l'impression. Bon bah perso, j'y vais, bonne soirée, fin de stream. Bonne soirée, Elec. Faire des génériques de fin qu'on peut pas skip. Mais c'est terrible, c'est la pire chose. Hop, hop, hop. Allez, on remet à vitesse x1. Fin. Et du coup, bah ouais, je trouve ça vraiment cool de pouvoir faire deux régions. Franchement, faudrait que dans un des jeux, ils refassent ça. Un des futurs jeux. Tu vas faire Pokémon Bouclier? Je pense pas, je sais pas. Je pense pas, puisqu'il y aura tellement de gens dessus, je suis pas... Et il y aura d'autres jeux manga qui sortiront à cette période, je pense. Donc je préfère faire les trucs que les autres gens ne font pas. Oh, Alex, le professeur Orme a quelque chose pour toi. Ok. Je pense pas que t'es à niveau contre le 9e champ, j'ai un doute. Je crois qu'il y a plus de niveau, plus que le niveau 50, le champion. Alors, professeur Orme, donne-moi un nouveau Pokémon. Bonjour Alex, je t'attendais, je t'ai appelé pour te donner quelque chose. Tiens, passe bateau. Avec ça, tu vas pouvoir attraper des Pokémon de Kanto. Yes, le passe bateau.
Le bateau part du port d'Olivie. Enfin, tu dois sans doute déjà le savoir. Après tout, tu as déjà bien voyagé, blablabla. Quand tu seras à Kanto, va dire bonjour au professeur Shen pour moi. Ouais, je vais soigner mon équipe, même si ça ne sert à rien. Et t'as pas la Switch. Et surtout, si j'ai la Switch. Quand tu auras fini le jeu, ça te dit pas de faire un code pour passer les murs? Non, ça t'intéresse pas. Est-ce qu'il va faire de la strat versus les autres champions? Où est-ce qu'il y a un PC ici? Est-ce qu'il y a... Est-ce que mon PC en haut, il est fonctionnel? Hop. Vous allumez votre PC. Où est-ce qu'il y a un PC? Où est le PC le plus proche? Il faut que j'aille jusqu'à la prochaine ville? Puisqu'en fait, j'ai pas mon Lugia. Putain, je dois aller dans la prochaine... What? Attendez. T'es trop pauvre pour avoir ton propre PC. Il a pas de PC, lui, mais sérieusement? Oh, il faut que j'aille à la prochaine ville. On va pouvoir revoir nos Pokémon légendaires. On va pouvoir revoir les Pokémon légendaires de cette route. Ah non, même pas, apparemment. Zoup. Je peux... Il n'y a pas de raccourci ici, non. Il n'y a point de raccourci. Hop. Faut aller à la ville d'à côté. Quoi, Tentacruel? Il n'y a jamais eu de Tentacruel ici, hein. Il peut pas voler, c'est sur Jean-Tony. Mais non, bah oui, j'ai pas Jean-Tony sur moi. Oula. C'est sur Jean-Tony. Je ne suis pas sur Jean-Tony. Jean-Tony n'est pas... Ok. Ouh, ça fait beaucoup trop de... ça fait beaucoup trop de sous-entendus. Groudon. Les gars, on va capturer Groudon. Hein. Je vais capturer Groudon. Sac. Balls. Hyper ball. Tentacruel contre Entai. 1. 2. Oh merde. Lame de rock. En plus, il me sort lame de rock au calme. Quel moment. Quel moment. Safari Ball. Go. J'ai comme Geeko. Bah, je veux bien mettre le nom Geeko dessus, mais... Non, le pire, c'est pas qu'il sorte lame de rock, mais qu'il touche avec. Ouf. Hyper Ball. Tiens, je vais utiliser la Master Ball. Des Geeko, pas Geeko. Ouf. Ah bah, en fait, il est chiant. Non, mais en fait, il est chiant, là. Mais en fait, je viens de remarquer qu'il a de la poitrine, Groudon, là. Alors, j'étais pas... Allez, une dernière Pokéball. Si je l'ai pas, bah, il dégage. Il va manger, c'est mort. Hein. Eh ben... Casse-toi, alors. Casse-toi. Il est niveau 2. Ah ouais, ça fait migraine. Allez, casse-toi. 83 pubs, sous les 100. Eh oui. Encore 17 pubs et Geeko passe modo. Et hop, Kikin a été suspendu par Dark. Kikin qui se fait quand même cyberbully H24, c'est malheureux. Hein. Groudon femelle. Hop. On va plutôt passer par là. Ah, le centre Pokémon. Je suis pas bien centré là. Alors. Pray for Kikin. Déplacer Pokémon. Alors, lequel de mes... Non. Déplacer. Lequel de mes Pokémon a le plus haut niveau? 47 ici. On t'a beaucoup utilisé, toi. Hop. Salut. Sortir la boîte. Oui. Kikin qui se fait kick de YouTube, mais qui est libre sur Twitch. Ouf. Attends, t'as pas OO? Non, je n'ai pas OO. J'ai Lugia. Hop, vol.
Du coup, faut aller à Olivie. Non, c'est Doubleville, là. Ah non, c'est là. C'est là, là. Yes, vol. Dark n'est pas sur Twitch. Il a pas la collection pour. Quoi? Allez, du coup, on peut aller ici. Non, mais qu'est-ce que tu fais là, aussi? Oh Alex, je ne saurais pas dire précisément pourquoi, mais tu as l'allure d'un maître. Oh, 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 que je suis drôle. Et maintenant que tu l'es, il faut que ton Pokédex soit digne de ton rang. Allez, passe-moi un instant, je vais t'ajouter le mode national. Le mode national a été ajouté au Pokédex de Alex. Je sais que c'est extrêmement dur de remplir un Pokédex national, mais fais de ton mieux. Quoi? Et c'est déjà si tard, je dois être à Doublonville pour mon émission de radio. Tu vas tenter ta chance à Kanto maintenant? Ouais, bon, je t'ai pas. Allez hop, enfin nous allons à Kanto. Puis-je voir votre ticket s'il vous plaît? Et voilà, tiens mon ticket. Montez sans tarder. Ok, je vais monter sans tarder dans ce bateau. Oh, il va falloir faire des combats dans le bateau, non? Oh, animation Poggers. Qu'est-ce que tu fais toi? Hey! Oups, pardon, j'ai un gros problème. Ma petite fille a disparu et je la cherche. Elle est toute jeune. Préviens-moi si tu la vois. Je sais pas où tu seras, mais... Alors, du coup, bah on reste sur ça. Alors... Y'a personne avec toi alors? Tato! Il est déjà si tard, je préfère le banjo perso. J'ai pas compris là. J'ai pas du tout compris. T'as le droit de fuir, mais. C'est sa fille, on y croit. Ah, d'accord. Ok, vous pensez que c'est un pédophile? Vous pensez que c'est un pédophile? Pourquoi pas? C'est possible. Ruagada, sitar, un instrument à cordes MDR. Mais les gars, quand vous faites des blagues, il faut que ce soit bête pour que les gens comprennent. Bon, sitar, qui connaît sitar? Pokémon a des musiques mieux que toute ma playlist Spotify, je veux dire. C'est trop pour moi. Bien sûr que c'est trop pour toi. Alors, c'est vide! C'est vide! Hop, on lui vole la bouffe, tac tac tac, et on se casse. C'est que toi qui n'as pas de culture. Yeah. Oh, on se calme. Hein. Est-ce que je peux dormir ici? Non, je ne peux pas dormir ici. Seul Dark connaît ce mot. C'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Waouh! Les gars, il y a un petit problème là. Les gars, il y a un petit problème là. On est un petit peu découpé. Écrasé, ex-fouille dans les poubelles. Sauvegarde en cours, ne pas éteindre. Hop. Attendez, si je vais là... Ok. On va relancer le jeu, open ROM. Bonne sauvegarde. Boom. Ouais, avance. Hop, hop, hop. Alors, j'ai regardé, pour tous les champions de Kanto, j'ai minimum 47 et le max 60. Ouais. Alors. Ah, oh, c'est toi, je l'ai toujours pas retrouvé. Tant qu'elle est à bord du bateau, il n'y a pas à s'en faire, mais elle est pleine d'énergie. Ok, t'inquiète. La terre, ouais. Hop, on va ici. Encore 10 vidéos vues et Geeko passe modo. Allez, go, ou pas. Quoi, on est à 90 déjà? Ouais, il n'y a plus que 15 minutes avant les 100 pubs pour Geeko. Alors, Crack-noix, laser glace. Bouffe-toi ça. C'est
125 points XP. Pokéfan Léandre. Du coup, attendez, Pokémon. Faut que je... C'est bon, on est bien là. On est bien avec cette équipe. Hop, on affronte les deux. Il passait modo, mais au moins, je perdrai pas un euro. Mais je peux plus regarder de pub. Non, 91 pubs. Non. À 9 pubs. À 9 pubs d'avoir Geekomodo. C'est terrible. Mais il est plus sur le chat, donc si ça se trouve, il le verra pas et on ne lui dira pas. Il y en a ici. Hein. Les gars, il y en a ici. Hein. Siphon. Je vais te siphonner. Quoi? On est en 7. Au moins, on pourra voir l'animation des 100% de l'objectif. Roselia est KO. Le décompte. Eh oui. Hop, ça c'est KO. Il passerait modo à sa place. Je passerai modo à sa place. Oh non, ce serait le pire truc. Allez, on a battu les deux guignolons là. Pas me dire quoi. 6 pubs. Non. Ne passez pas Geekomodo. Je reviens sur ma parole puisque je suis quelqu'un qui n'a pas de parole. 5. Non. Aïe aïe aïe. 5. Alors, le crash feu Bozo. Nélupiote. Nélupio, on va lui faire un petit point éclair. 4. Bon, du coup, on va s'arrêter là pour le live. On va s'arrêter là pour ce soir. Hein. 3. Non. Non, l'énergie. Changer de Pokémon. Zod. Qui ne me vole pas la vedette. L'énergie Roqueboulet. Il se fait one shot. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce... Non, deux. Kyogre. Nani. Un Kyogre en face. Entai. Aïe 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 aïe, le Kyogre, il ne respecte plus. Quoi, 99? Ah! C'est pas ça que je voulais faire. Oh! Oh bah non, le compteur est cassé, il a disparu! Mais non! Oh, l'animation Pokers! Les confettis! Oh non. On est tous avec moi et biche dehors. Du coup, ça... Ah, du coup, ça affiche sur 1. On est à 101 pub. Du coup, point clair. Finalement, ce sera à 110 pubs. Je suis d'accord. Finalement, ce sera à 110 pubs. Oh non, je vais devoir mettre Geekomodo. Alex Yuki en sueur. Faut que je me prépare mentalement, là. 2. Objectif atteint. Ah, du coup, ça met objectif atteint en perma. Aïe 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 aïe. Voici votre cabine. Si votre équipe est dans le mal, ok. Je le banne à 109, t'inquiète. Oh, il y a un PC ici. Yeah, c'est mon jour de chance. L'argent rend. Alex rend l'argent des pubs du type. On est à 104. Non. En plus, j'ai dit 110, mais on va les atteindre en plus. Terrible. 105. Non. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Hop. C'est vide. Ah, pas de problème, genre pas. Okay. Allez Alex, tu n'as qu'une parole. Ouais, je n'ai qu'une parole, j'ai dit à 110. De toute façon, les 110 vont arriver, je pense. Peut-être. 108. Vite le ban.
vite l'Oban. Et donc, il y a beaucoup de... C'est grand. Qu'est-ce qu'il fait dans sa poubelle, le... 109. Pfff. 111. Oh, terrible. Bon, allez, Geeko, hop. Ajouter en modérateur. Geeko avec moustache est désormais modérateur. Terrible. C'est terrible, mais je l'ai dit. J'ai le mal de mer. Alex, tu peux remercier ma grand-mère. Elle regardait les pubs pour toi. Merci la mamie de Dark Kyuri. Si telle chose est vraie. Point éclair. Mais du coup, il est ban, mais modérateur quand même. Donc pour profiter de ses avantages, pour profiter de son... de sa clé à molette, de sa clé anglaise, il va devoir attendre 5 minutes. Et c'est ça qui est drôle. Ça, c'est drôle, en fait. Oh, terrible. Fantominus est envoyé par jongleur Chico. J'économise 1 euro, merci. Oh, on n'a pas réussi à racketter 1 euro à Hugo, c'est dommage. Ah, et aussi, tu lui as pas dit que ce serait juste pour ce soir? Ah oui, c'est vrai. C'était juste pour ce soir. du coup, bah, il va falloir que je t'enlève, que je t'enlève. Changer de Pokémon. Pikin. Kikin! Pikin, let's go. Ok, on va faire le petit, la petite roue de feu, là. Roue de feu, là. Il est bientôt niveau 48, Kikin. Il est on fire. C'est un Pokémon de feu en même temps. Kikin a gagné 570. Jongleur Chico. Je peux plus bouger. Si on atteint 150 pubs, j'enlève le modérateur à Dark. Et après, et du coup, au prochain live, si on fait 200 pubs, je lui remets le grade. Comment ça, je trouve des prétextes. Stop. Magikarp. Point éclair. Aïe. On s'amuse bien, les amis. Alors, 171 XP, Aeromite. Aeromite. On peut continuer. On peut continuer avec ça. Vas-y, go, j'active des VPN. Quoi? Que fais-tu, Kiki? Que vas-tu faire? Un modo peut ban un autre modo? Je peux ban un modo, mais un modo ne peut pas ban un autre modo. Ils ne vont pas pouvoir se chamailler, les modos. À tout moment, je me désub si tu fais ça. Apparemment, il y a des gens qui veulent ta démission. On est à 120 déjà. Hein. Il faut faire 30 pubs en moins de 5 minutes. 120, encore 30. Quoique, je suis tenté de... Hé, hey, toi là, tu peux chercher mon pote pour moi? Il se repose quelque part au lieu de travailler avec elle, bon à rien. Ok, bah, j'irai le chercher plus tard. Ah mais je suis obligé, puisqu'en fait, j'ai pas d'autres dresseurs à affronter. Bon, on va le trouver ici. Hé, hey, Guignol, réveille-toi! Wow! Quoi, comment ça, genre, mais ça va pas, là, le marin service autorisé bon roupillon au combat de Pokémon? Quoi? Il passe comme ça? Tu fais quand du Yu-Gi-Oh? Un jour. Au pire, on enlèvera le modo de Dark pendant 3 minutes. du coup, on va faire le point éclair. On tente. On croit. On rate son attaque. On éclaire. Alors, Kikin. Kikin, qu'avez-vous à répondre à ça?
Je ne l'entends plus. Grayena, changer de Pokémon. Merci. Salut Alex, il y avait bien toutes les cartes dans le colis Yu-Gi-Oh! De ce midi. Gaiman-sama, c'est quelle commande? C'est quelle collection? Qui? J'ai reçu 3 colis aujourd'hui. J'ai reçu 3 colis de collection aujourd'hui. Donc il faut le nom. Yes, bonjour à tous, je vous invite à taper point d'exclamation rediff pour pouvoir avoir accès aux rediffusions. Enfin, mon rêve réalisé. J'arrive pas à y croire que Jiko soit passé moto. Oh non. Jiko qui est passé moto. Dans quel monde vit-on? Tsayad encore. Regardez-le, il est content. Si je suis bien efficace. C'est celui que j'ai livré en main propre, Yanis. J'ai pas recompté celle-ci. Yanis. Je vais le faire demain. Mais il me semble que... De tête, en tout cas, c'est les cartes que je vais repérer qui m'intéressaient. Je les ai vues. Du coup, c'était quoi? Changer de Pokémon. Je crois que c'était un Pokémon combat. Dark, je suis ton collègue maintenant. Rien du tout, t'es mon apprenti. Et voilà. Voilà. C'est les modos qui sont déjà en train de se chamailler. C'est terrible. Alors, 1230 points d'expérience. Marin Gaston. Le stagiaire qui fait le café. Cette défaite m'a ouvert les yeux. Je vais devenir sérieux, il est promis. Dis pas au capitaine que je dormais. Bimbo était en train de m'appeler? Il y avait une bimbo qui m'appelait. Hop. Ah, et du coup, je peux aller là. Et il y a une fillette dans la... Les UV là, toi. Les UV là. Quel ennui! Alors, on se fait un petit combat? Mais qu'est-ce qu'elle fait dans la salle des machines, elle? Thinking emoji, l'énergie. Niveau 41. J'ai toujours une taille en départ. Draco Meteor! J'ai quoi, Patrick? Je l'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il a marqué? Le stagiaire qui fait le cabaret. Ouf! Et voilà, c'est déjà un abus de pouvoir de la part de Giko. Qui va bientôt perdre son grade. Oui, je suis à mes débuts et un expert comme toi a tout à m'apprendre. Putain, c'est le pire. Hop, allez, on monte l'échelle. Alors, elle est où la fillette? Oula! Qu'est-ce qu'elle est en train de faire avec le vieux? Il y a une poubelle là, c'est vide. Monsieur, je veux jouer! Monsieur, je m'ennuie, je veux jouer! Ah bon, tu veux bien t'amuser avec moi à ma place? Alors on va jouer à cache-cache, je commence, ferme les yeux. Nani? Parlons de te laisser prendre ma place. Je sais que j'ai l'air de rien faire, mais un capitaine de navire, ça n'a pas une seconde à soi. La jolie petite fille est sortie de la cabine, mais elle ne peut pas quitter le bateau, elle doit s'être cachée quelque part. Oh, la jolie petite fille! Oh là là. Pourquoi les fillettes à chaque fois? Oh, mais please, c'est quoi ça? C'est quoi ce vieux là? Bon, du coup, elle est où? Elle est où pour qu'on aille plus vite? Est-ce qu'elle est par là? Dans un lit caché? Non? Ah! Elle est là, je l'ai vue. Tu croyais que j'allais pas te voir? Ah, tu m'as trouvé! Bon, je devrais retourner voir mon grand-père maintenant. Ouais, va voir ton grand-père. C'est moi, je jouais à cache-cache dans le bateau avec ce garçon! Bien Alex, merci de t'être occupé d'elle. Tiens, voici un cadeau. Peau métal. Ouais. Tudu, le bateau express aquarien est arrivé à Carmin-sur-Mer. Eh ben, rendons-nous à Carmin-sur-Mer. Yo! Le bateau express aquarien est arrivé. Et du coup, nous sommes à Carmin-sur-Mer.
Nous sommes à Kanto, même si on l'était déjà pour la Ligue. La Ligue étant sur le territoire de Kanto. Merci de me laisser passer, Guignol. Hop. Fin du live égale fin du règne de Giko. Cache ta joie, Alexuki. Je suis joyeux. Suicune ! Encore ? Et lui, il est là. Quel dommage, je m'étais mis ici en embuscade pour prendre Suicune en sandwich, mais s'il peut courir sur l'eau, ma stratégie ne vaut plus rien. Au moins, à force de le suivre ainsi, je commence à bien comprendre ses mouvements. Et il avait toujours pas capté ? Il apparaît près de l'eau, ce qui sans doute dire... désolé Alex, je dois y aller. Du coup, pourquoi cache ta joie ? En vrai, j'ai pas compris pourquoi on me dit ça, mais... Les champions en particulier sont spécialement forts, pas faciles à battre. Et du coup, ouf. Ouf, les baisses de FPS ici. Du coup, Karma sur mer, ça a un petit peu évolué. Ah, il n'y a toujours pas de tour ici. Normalement, il devait construire quelque chose, je crois, ici. Bref, on va aller au centre Pokémon. Hop, et on va, bien sûr, soigner nos Pokémon. Et on va se laisser là pour aujourd'hui. Est-ce qu'il faut utiliser Coupe pour aller dans l'arène ? C'est plus tard à la construction. Ok. Ok, ok. Une prochaine fois. Le papy, t'as passé un cadeau, tu t'en es battu les couilles. Ah oui, sous ça pas les couilles en vrai. Il faut toujours coupe. Ils l'ont toujours pas coupé ce truc. Oh, ça pue la merde. Ah, ou alors je peux faire surf. C'est peut-être mieux. Bref, on va se laisser là pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié ce live. Merci bien sûr de votre soutien sur YouTube, ça fait plaisir. Et du coup, eh bien, on se retrouve... Giko, par contre, t'as pas besoin de l'autorisation de qui que ce soit pour ban Kikin. Hein. Tu peux le ban quand tu veux. Voilà, tu te fais plaisir. Et du coup, abonnez-vous à AlexYuki91. C'est pas vraiment ça, mais ouais, ouais, ouais. Et du coup, bah, bien sûr, vous pouvez retrouver la rediffusion de ce live sur ma chaîne de rediffusion AlexYukiVOD Live. Lien dans la description. Et on se retrouve du coup... Normalement jeudi prochain. De toute façon, mon planning de live paraîtra demain sur mon onglet communauté, ainsi que sur mon Discord, ainsi que sur mon Twitter. Donc vous verrez bien quel jour je vais live la semaine prochaine. Mais normalement ça devrait être que jeudi. Et du coup, voilà, on va cesser là pour ce soir. Allez, bonne soirée tout le monde.